Parce que on vit un moment un petit peu difficile. J'ai perdu une tante, la sœur de ma mère, qui m'a fait découvrir les perroquets, les vrais. Hein. Moi, j'avais déjà eu des perruches, mais à 13 ans et demi, 14 ans, elle a débarqué d'Afrique. Il revenait d'Afrique. Et, ok, Google, baisse le volume à 10%. Et donc, ils étaient arrivés à Tahiti avec un gris d'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai pu voir mon premier perroquet, mon premier gris d'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, on va les mettre encore. Alors, c'est merveilleux parce que on voit tout l'amour qu'on peut avoir dans une petite famille comme ça. Je pense bien sûr à mes cousins, Alain et Pascal, Brigitte, ma cousine, qui parlent de leurs parents. Ça fait 55 ans qu'ils sont mariés. Puis c'est magnifique de les entendre parler de leurs parents, alors qu'aujourd'hui, on va mettre leur maman en terre. En disant que, voilà, mon tonton est... C'est difficile. 55 ans de vie commune, il ne sait même pas faire son petit déjeuner, mon tonton. C'est elle qui lui fait son petit déj depuis toujours. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que... C'est des moments qu'on doit partager aussi. Des tranches de vie, il y a des tranches de vie plus compliquées que d'autres, hein, vous savez. Puis aujourd'hui... Ça fait partie des jours où mon métier devient un peu plus compliqué que les autres jours. Parce que à 4h de l'après-midi, heure de Québec, il sera 10h à Tahiti. Puis je sais que j'ai tous mes frères et sœurs, ma mère, qui vont aller enterrer ma tante. Mais moi, il va falloir que je fasse rire les gens. Il va falloir que je les amuse. Ça fait partie de mon boulot. On n'a pas le choix. J'en parlais avec Devlin ce matin. La chose, c'est que... Mes cousins sont en train de souffrir gravement aujourd'hui, là. C'est profond, ça a été soudain, un AVC. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'on doit faire preuve de pudeur et ne pas voler ces moments-là à ceux qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'avoir nos condoléances sincères. Alors voilà, comme je l'ai déjà fait depuis plusieurs années, ben moi, je vais aller amuser des gens. Je vais aller faire rire des gens. Et puis, je vais quand même avoir une pensée pour ma fameuse tati, ma tati Thérèse. Petite tranche de vie, hein? Je sais que vous aimez que je vous partage mes moments de peine aussi, comme mes moments de joie. Donc, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Bon week-end.